Salut, salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils, et on se retrouve pour un stream cybersécu du CTF, pour être exact, du Capture the Flag. On va aller finir le Capture the Flag de la semaine dernière, qui était basé sur Nmap. Salut à toi Rancune, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent week-end, puisque nous enregistrons comme d'habitude un dimanche, et... Et donc c'est la fin du week-end, et Rancune démarre tout de suite, très fort, en nous faisant l'honneur d'un sub, ce qui est très gentil à toi, surtout que Rancune, tenez-vous bien, Rancune nous fait l'honneur d'être sub pour le 5e mois consécutif, et alors ça c'est franchement génial, merci beaucoup Rancune, merci à toi, c'est très gentil. Je ne saurais trop d'ailleurs vous recommander d'aller voir la chaîne Twitch de Rancune, puisque lui aussi, il stream. Et je peux faire normalement un petit slash shootout vers Rancune. Hop, tac, voilà, comme ça, normalement, vous avez le lien. Vous pouvez aller le follow de ma part, vous serez pas déçu du voyage. Rancune fait de l'électronique. Rancune nous apprend beaucoup de choses sur l'électronique et ses streams sont toujours de qualité. Et ben je t'en prie, moi aussi je te remercie et j'adore tes streams aussi, même si je suis moins présent que toi. Alors, si je puis me permettre d'ailleurs de blablater un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère d'ailleurs que ton setup de stream avance bien. J'ai cru voir des photos intéressantes sur les réseaux sociaux. L'occasion d'ailleurs de vous rappeler que vous pouvez, entre deux streams, me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout ça est indiqué en dessous. Et vous pouvez même faire point d'exclamation socials avec un S à la fin dans le chat pour tomber sur ma page perso qui contient le résumé de tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas au passage à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Et ça devient une tradition du dimanche. Je vais à peine commencer que Chaos Farboti nous raide. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Vous êtes 36 à nous rejoindre. Et on enchaîne avec les follow. Merci à toi, Elena Irwen. Merci à toi pour le follow. C'est très gentil. Merci à toi aussi, I Don't Care But. Merci à toi, ainsi que Lavage Blonde, merci à toi, et sans oublier Efsilab, merci à toi. Alors qu'est-ce que vous faisiez de beau avec, avec Chaos, racontez-moi, parce que nous on n'a pas encore commencé, on va finir un CTF Nmap, mais on a un petit instant pour que vous nous racontiez, raconte-nous Chaos, c'était du CTF aussi ou vous avez fait un petit peu autre chose? Ah, merci Scratch pour le follow, c'est très gentil. En plus, je crois qu'il y a un léger lag entre le moment où je vois dans le chat le follow et le moment où il apparaît ici, hop, là, ici, tout près de vous. Alors... Alors, visiblement, vous n'avez pas fait grand-chose chez Chaos. Personne qui me raconte. On va enchaîner tout de suite. Ah, si, c'était le Pirate Talk, ça parle de l'actu et des sujets hacking. Oh, qu'est-ce que j'ai cru voir dans l'actu dernièrement? J'avoue que je suis un peu à la traîne. J'ai vu passer... qu'est-ce que j'ai vu passer de marrant? J'ai vu passer de marrant. Alors non, pas vraiment de marrant, mais c'est plus d'ailleurs de la vie privée que du hacking. Mais visiblement, l'Europe et les États-Unis sont arrivés à un accord à propos des problématiques de données, comment dire, de données récupérées par des sites américains, des données de citoyens de l'Europe. Vis-à-vis du RGPD. Donc visiblement, ils ont trouvé un accord. Visiblement, nos données ont été échangées contre du gaz naturel.
puisque jusqu'avant, l'Europe, forcément, allait se servir en Europe de l'Est et en Russie pour le gaz naturel. Et depuis le mois de février, c'est plus vraiment possible. Comme quoi, des fois, les sujets s'entremêlent. Mais on va pas non plus causer... Comment ça, Ethercorum? Tu vaux un pet de lapin? C'est quoi cette histoire? Mais non, Ethercorum. Déjà, tu es... Ah, je t'ai pas salué ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu vaux plus que ça, Ethercorum. Merci à toi. Une semaine sur deux, il fait mes lives. Cette semaine, c'était pirate... Ah, d'accord. Il fait des lives. Cette semaine, c'était pirate talk. Et le prochain dimanche, sera un hack d'une heure sur une... Ok, d'accord. Bah, ça reste un gaz naturel, un pet de lapin. Ouais. Oui, ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Oui, non, mais oui, effectivement, nos données valent du gaz. Voilà. Effectivement, pet de lapin. Merci. Alors, je vous explique. Parce que je suis déjà long à la détente sur les jeux de mots. Et pourtant, j'adore les jeux de mots. Mais en plus, aujourd'hui, la journée a été épuisante, entre guillemets. Ne me tenez pas rigueur si... Si je suis long à trouver les jeux de mots, et pourtant on aime bien les jeux de mots ici. Bien, et bah écoutez, vu que tout le monde est arrivé, hop là, attention le micro, je pense que vous avez dû entendre taper. Puisque tout le monde est là, hein, on va rentrer dans le vif du sujet quand même, ce sera peut-être le temps de commencer là. Hein, on est à quoi? On est à... On est à même pas 10 minutes de stream. Ouais, j'ai le cerf-volant, en tout cas, aujourd'hui. Ah, celui-là, je l'ai eu, bizarrement. Allez, on va espérer d'ailleurs que mon cerveau soit un petit peu plus rapide sur le CTF. On avait démarré, la semaine dernière, le CTF Nmap. Puisque a priori, il avait pas l'air très, très, très difficile. J'en profite d'ailleurs pour signaler à toutes celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de cette chaîne que je m'estime être un noob de chez noob sur le domaine du pentest et du red teaming de manière générale. Donc ne vous attendez pas à du contenu de haut niveau. Donc, et c'est pour ça que je me disais, tiens, un petit truc, histoire de revoir les bases avec Nmap, ça a l'air sympa sur TryAcme. Merci beaucoup pour le follow, Retorsbutor. Pardon pour l'éternuement. Eh ben, ouais, il va peut-être falloir que je remette la petite laine, hein, c'est... Normalement, on n'a pas allumé le chauffage, mais ça ne saurait tarder. Enfin, ça dépend des jours. Donc... Nmap, hein, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On avait démarré un certain nombre de choses. Alors il y avait trois tâches, peut-être même un peu plus, qui étaient plus de l'ordre de la lecture de documentation sur Nmap. Donc je vous renverrai, si vous voulez, au stream de la semaine dernière. Et F-Syllab qui nous dit, comme je dis toujours, pour finir comme un chêne, il faut commencer gland. C'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait pertinent, effectivement. J'aurais même tendance à dire aussi que pour monter en haut de l'échelle, bah, il faut bien commencer par le premier barreau. Et c'est comme ça qu'on avance. Un pied et une main après l'autre. Donc, notre stream Nmap, notre CTF Nmap. On a fait les TCP Connect, les TCP SYN et les scans UDP. Et maintenant, on va aller faire un truc, les scans Null, Fin et Christmas. Alors, je vous avoue que ça, je m'en sers quasiment jamais quand j'utilise Nmap. Donc, ça va être aussi pour moi de la découverte. Hein. Le reste était plus de la redite, du rappel. Mais cette fois-ci, ça va être de la découverte. Donc, bah d'ailleurs, ces types de scans de port sont moins communément utilisés. Non, sans blague. Et on va pas aller... Ah bah non, ils vont pas aller... Ok, ils vont pas aller dans le détail. Les trois sont liés et utilisés primairement pour être... Ah d'accord. Le but du jeu, en fait, c'est d'essayer d'être furtif et de pas se faire détecter. Je comprends l'idée, et maintenant je comprends aussi pourquoi ils sont un peu moins utilisés.
Parce que de vous à moi, des détecteurs de scan sur le net, enfin sur le net ou sur des réseaux, je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup. Je me doute qu'un détecteur d'intrusion réseau va détecter une tentative de scan de port. Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Bon, certes, si on voit d'autres choses ensuite, on va peut-être blacklister IP. Mais bon. Déjà, faut être détecté et de vous à moi, ça m'est déjà arrivé de faire des scans de port et ensuite de dire au fait, t'as vu que je t'ai scanné et les mecs sont là, ben non. Et oui, effectivement, tout à fait, FCLab, une sonde IDS type, alors en open source, il y a sur Ikata, il y a aussi Snort. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé Snort dans le passé, puisque j'ai aussi utilisé le produit commercial basé sur Snort, qui s'appelle Sourcefire, et qui est depuis 2016, je crois, la propriété de Cisco. C'est donc censé être plus furtif qu'un bon vieux... Ah ouais, qu'un scan TCP SYN en mode furtif. Alors, le null scan. Le null scan moins petit s grand n sont quand la requête TCP est envoyée avec nos... Avec... Ah oui, d'accord. Oui, alors quand il dit no flag, si vous vous rappelez bien pour la semaine dernière... L'idée c'est que le trafic TCP, en fait, on a ce qu'on appelle une poignée de main en trois étapes qui veut dire qui en gros fait SYN, SYN hack, hack. Donc généralement, quand un paquet TCP est envoyé dans les débuts de conversation au format TCP, eh ben, on a TCP SYN, TCP SYN hack et TCP hack. On a aussi les TCP reset et les TCP fin, mais là l'idée en gros c'est de dire j'envoie un paquet TCP et je mets même pas le truc, est-ce que c'est du SYN, du SYN hack ou du hack. Pendant ce lag, salut à toi, faire correctement un scan de port pour ne pas faire un travail de cochon. Oui, tout à fait. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, Pendant ce lag fait référence au fait que Snort et la société Sourcefire utilisent comme mascotte un cochon. Ou en tout cas, utilisaient. Ils l'utilisent toujours. Je sais qu'à l'époque où justement j'avais participé à la mise en place de sondes de chez Sourcefire, on avait reçu plein, alors je sais pas ce que j'en ai fait, mais on avait reçu plein de alors c'est pas des boules en mousse anti-stress, mais c'était des petits cochons comme ça, anti-stress, qui étaient... Merci beaucoup pour le follow, Shaina, merci à toi. Mais on avait reçu pas mal de petits cochons comme ça, anti-stress, en mousse anti-stress, c'était assez marrant. Et en plus, ils étaient de différentes couleurs. Donc selon tout ce qu'on avait reçu, on essayait d'avoir différentes couleurs avec les collègues, c'était marrant. Hop, je reviens là-dessus. Et Cisco qui vaut 100 francs, est-ce que je l'ai? Cisco qui vaut 100 francs. Non, je l'ai pas. Je pense que quand tu vas le dire, je vais être en mode bon sang, mais c'est bien sûr. Mais Cisco qui vaut 6, il y a peut-être un 6 quelque chose. San Francisco. Ouais, non mais oui, effectivement, Cisco, le nom de la société est basé sur effectivement le pont de San Francisco. Et le pont de San Francisco vaut 100 francs, c'est ça? Ah oui, 100 francs, 100 francs et Cisco. Oh punaise, ok. Ouais, effectivement. Merci Epsilon. Merci. Voilà. Donc je suis vraiment en forme ce soir. Ça va être très très drôle. Donc effectivement, on voit sur la capture ici de Wireshark qu'on a du trafic TCP et en fait on voit rien du tout là à droite et là en dessous on a RST hack. Et oui effectivement pendant cela que je suis assez d'accord, elle est excellente. San Francisco, c'est pas mal. Et là, en fait, donc, on voit les flags et on voit qu'il n'y en a pas. C'est cadeau, blague de geek. Merci, j'essaierai de la ressortir à l'occasion. Alors, maintenant, on a les scans de type fin et je suppose que, voilà, c'est ça. C'est il envoie un paquet TCP de type fin.
Donc au lieu d'envoyer un paquet vide, on envoie avec fin, qui est justement utilisé pour fermer correctement une connexion active. Donc de la même façon que lorsqu'on démarre une connexion TCP, on fait « Salut, je me présente, je suis un paquet TCP. Ah ouais, tu veux communiquer avec moi ? Oui, je veux communiquer avec toi. » Et ben là, le truc, c'est de se dire « Bon, ben au revoir, à la prochaine, on se reverra peut-être bientôt ou jamais. » Alors, Ethercorum qui nous dit que ça lui rappelle une blague de Pérus. Oh ! Une histoire de Thierry qui doit 100 francs depuis un an. Oh là là. Alors, Pérus, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté les 2 minutes du peuple. Ça doit être un peu... Là, j'ai dû avoir la ref peut-être il y a longtemps. Et donc là, on voit en fait, pour revenir, on voit bien qu'il commence d'abord avec un fin et puis ensuite on a un resté hack. Donc là, en gros, c'est on dit au revoir avant même d'avoir dit bonjour. C'est pas mal. Thierry me doit 100 francs depuis maintenant un an. Oula. Alors, cette fois-ci, on a les scans Christmas. Et on a donc un paquet mal formé. Et il s'attend à recevoir, pour les ports fermés, un retour avec un paquet RST. Ah bah non, pendant ce lag, il n'y a pas la musique, parce qu'en plus, si jamais il y a la musique, je me fais strike, hein, parce que François Pérus, c'est pas libre de doigt. Et ceux qui ont la ref vont te maudire d'avoir la musique en tête. Bah écoute, heureusement que je l'ai pas. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, parlant de musique, j'espère que le son est bon pour vous, que vous avez le petit fond musical derrière, qui lui, par contre, est sous licence Creative Commons. Ah, et visiblement, pendant le slag à la ref, et maintenant, il l'a en tête. Bon courage pendant le slag. Alors, qu'est-ce qu'il y a le scan Christmas que les flags qui met en place PSH, ERG et FIN donnent l'apparence d'un sapin de Noël qui clignote quand il est vu en capture de paquet avec Wireshark. Ouais, mais alors là, par contre, je vois pas le... Je vois pas le sapin de Noël, mais je suppose que ça devait être le cas pour des... c'est peut-être les... comment dire, le fait de la surbrillance. Peut-être que en surbrillance, il fait paf, paf, paf. Donc, la réponse attendue pour un port ouvert. Parce que oui, c'est vrai que pour un port fermé, on s'attend à un paquet RST. Et pour un port ouvert, on s'attend de la même manière... Ah oui, qu'un scan UDP. Et si le port est ouvert, il n'y a pas de réponse au paquet mal formé. Malheureusement, c'est aussi attendu que le... Ah oui, si le port est protégé par un firewall. Ok. Oui, forcément, il va... oui. Si les flags sont pas consistants, ou cohérents plutôt entre eux, ça va être un peu dommage. Bon, alors après, on parle de la RFC 60... Enfin... 793, je crois qu'elle a été mise à jour il y a pas très longtemps. Oh non, pendant ce lag, pitié, non, pendant ce lag. On est sous Linux là aujourd'hui, hein. On va se tenir, hein. Je vous montre pas des installations de Windows 10, moi, hein. Suivez mon regard. Alors. Pop. Alors, bah justement, tiens, parlons de Windows, hein, qu'est-ce qui se passe? Windows et des appliances Cisco, a priori, ils ont tendance à répondre avec un flag RST pour tous les paquets TCP mal formés, que le port soit ouvert ou non. Donc en gros, ouais, tous les ports se retrouvent, ok. C'est une manière comme une autre de... Et Retorsbutor qui n'a pas la ref et pourtant il est du temps. D'accord, ok. Je vais éviter de prononcer ça, on sait jamais. Hein. Il fait du Rust maintenant, monsieur Windows 10. Ah, Velmat, visiblement, tu as eu la ref. Tu as eu la ref. Et donc, effectivement, je fais référence au sieur Emil. Tiens, d'ailleurs, je vais le shoot out aussi si j'ai la possibilité. Hop. Emil NB, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça passe ou est-ce que je vous envoie vers quelqu'un d'autre? Ouais, ça a l'air d'être bon, je vous envoie vers le seul, l'unique, l'original, le Emil.
Voilà. Allez lui poser les follow si c'est pas déjà le cas. Hein. Franchement, il vaut le détour. Alors, I don't care, but qui se permet une petite interrogation. Tu supposes qu'il y a des gens qui sont dans le pentesting, peut-être. Est-ce que c'est dur de passer de la sécurité réseau au pentesting? Tu fais de l'intégration de firewall, WAF, reverse proxy, authentifiant. Ah, bonne question. Bonne question. J'espère que tu auras des réponses dans le chat. Dans l'absolu, ça m'intéresse. Et Ethercorum, en fait, Ethercorum, je pense que c'est ça, c'est passé de Blue Team à Red Team. Donc, petit rappel, hein, Blue Team, c'est les équipes défensives, et Red Team, c'est les équipes offensives. Et je crois qu'il y a une société qui s'est mise à marketer le Purple Team, qui consiste donc à être capable de faire les deux. Alors, lequel utilise le flag Urge? Eh bien, c'est le flag, c'est le Christmas. Christmas. Hop. Ah, j'ai fait un hop là. Quand est-ce que les nulles fins et Christmas scan sont généralement utilisés? Alors, je sais pas exactement ce qu'il attend comme réponse, mais en gros, l'idée, c'est d'être... c'est de se planquer. Donc, c'est d'être plutôt... plutôt furtif et à stealth, mais... Là pour le coup, et quel OS répond? Ah oui, avec un RST pour un, et ben Microsoft Windows. Alors pourquoi les Nullfen et Christmas Scan Generally Used? Là honnêtement, non, parce qu'ils disent... Ok. Alors, est-ce qu'ils disent un truc? Ah oui. Le goal... Firewall Evasion. Ok, c'est ça. C'est Firewall Evasion. Hop là. D'accord. Bon, ben voilà. Je sais lire. C'est bon. Ensuite. Alors. À la première connexion. Gna gna gna. Ah, donc là, on va peut-être commencer à... je vais peut-être allumer la... Ah oui, tiens, faut peut-être que je me connecte au VPN. Hop. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Sudo open VPN. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, access machines. Hop, et bah oui, ça c'est bon. Vous êtes déconnecté. Bah attends, ça va revenir. Voilà, je suis connecté. Et ensuite. Faut pas que je fasse une start attack box. Ouais, il faudrait que je me fasse un alias. Effectivement, ce serait une bonne idée. Hop. Il n'y avait pas un... Voilà, start machine. Voilà. Mais... c'est exactement ce que je fais, tu vois, Retorsbutor. Moi, à la base, je suis plutôt admin 6, parfois avec une tendance blue team. Et donc, je fais un petit peu de red team aussi. Enfin, j'essaye en faisant quelques petits CTF pour le moment. Alors, maintenant qu'on a la machine dont l'IP va être dans un instant, hop, on va revenir ici. Bon, alors, le scan de réseau via ICMP, à mon avis, c'est juste pour dire est-ce que les machines sont up, hein. Voilà, pour faire une map de la structure réseau. Donc, l'idée, c'est, voilà, on balance des pings en mode gros bourrin et on regarde qu'est-ce qui répond. Je sais qu'à une époque, je m'étais amusé à faire, à scripter. C'était pour mon réseau local, ça m'amusait. De voir. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une... J'avais des machines qui avaient un nom de... avaient un nom DNS, avec un DNS local. Et en gros, j'essayais de regarder avec Nmap quelle était la liste des machines qui répondaient au ping. Et ensuite, avec la liste des IP, j'allais demander à mon serveur DNS si la machine avait un reverse, avait une, comment dire, si l'IP correspondait
à une machine au niveau reverse DNS. Et je considérais que si la machine n'avait pas un host, un nom d'hôte dans le reverse DNS, donc via les enregistrements PTR, c'est que cette machine, je ne l'avais pas ajoutée au réseau. Donc soit c'est que j'avais oublié d'ajouter la machine dans le DNS, soit il y avait peut-être un intrus. Bon, généralement, c'était plutôt la première option. Donc, il va falloir utiliser le moins... Ah oui, attention, le moins S petit N, à ne pas confondre avec le petit S grand N, qui est donc le null scan. Donc, comment on va faire un ping sweep sur le 172.16 on fait un nmap, moins SN, 172.16.0.0/16, puisqu'il nous réclame 2x255. Hop, et c'est correct. Ok. Ah oui, la transition professionnelle, à mon avis, elle risque de pas être évidente. Elle risque de pas être évidente, je pense, vu que du coup, tu démarres junior en pentest, quoi. Donc si avant, t'étais senior en blue team, c'est peut-être pas évident, effectivement. Le scripting engine de Nmap. Ça, je crois que je l'ai utilisé une fois ou deux, et c'est assez sympa. C'est là où on se dit qu'aujourd'hui, Nmap devient presque un scanner de vulnérabilité, en plus du scan de port. Retorsbutor, si tu veux linker les liens Twitch de, ou voire même YouTube de Disnom, de Chaos, de Axice, de Hacking Island, il n'y a pas de problème. Tu peux. Ce sont des gens bien. Et en plus, tu écris ici même visiblement. Si, ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Je ne fais que me reposer sur les épaules des géants. Ah bah oui, top clean. Ça, ce serait dommage d'oublier top clean. donc... Ah oui, c'est vrai que c'est fait en Lua. On a des catégories. Ah oui, safe, intrusive, vuln, exploit, brut, discovery. Ok. Je pensais qu'à un moment, on allait faire du scan de port, mais pour le moment... intrusive, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Dans la tâche 3, on a regardé brièvement au moins. Ouais, ok. Les autres catégories marchent pareil, effectivement. Ah, tu stream F-Syllab? Multiple script can be on. Ah, ok, jusque-là tout va bien. Et nous bosons. Mais allez-y, dites-le, il n'y a pas de problème, hein, bientôt, ok. Merci beaucoup pour le follow, Knopix. J'ai utilisé Knopix dans le passé, c'était une chouette distrib. Toi, non, mais une epsilon. Allez-y, hein, n'hésitez pas à linker vers les pages Twitch. Hein, y a pas de problème. Tiens, je vais faire un petit shootout vers Top Clean. Tiens. Hop. / shootout. Allez, hop. Top Clean. Hop, voilà. Parce que quand même. Et... Alors Disnom, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Hop. Ah. D'accord, faut que j'attende que le shootout soit désactivé. Sinon, c'est un petit peu du spam. Alors, quel argument optionnel peut utiliser le script? À peut prendre FTP tiret. C'est quoi cette blague? Ah! Faut que j'aille faire un nmap -script help
Et je mets le nom du script, je pense. Hop, allez. Moins scriptel. Voilà, on va commencer un petit peu à faire des commandes. Je commençais un peu à perdre patience, je vous avoue. Salut à toi, Xavier. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, a priori... quel argument optionnel? Alors, catégorie... if anonymous is allowed, get a directory... Oh bah écoute, ça va, un petit peu fatigué malgré tout, mais ça va très bien. Bah écoute, si ça se trouve, en fait, ouais, il faut aller cliquer là-dessus. Ok, NSE doc, et on va aller rechercher. Hop, et on, hop, et on cherche ça, je suppose. Et a priori, paramètre host port. Ah, action. Donc a priori, ce serait action. C'est génial, on apprend à aller chercher dans la doc. Ah non, tiens, c'est pas bon ça. Ah. Requires FTP match and map short port. Script argument. Ah, max list. Ok, c'est celui-là. Et je l'ai pas là-dedans ici? Ouais, j'ai pas les arguments, tiens. Bon. Ah, mais du coup, j'ai la doc. Ok, j'ai la doc qui est là. D'accord. Alright. Max list, du coup, je suppose. Ouais, c'est ça. D'accord. Oula. Oui, bah oui, aller rechercher dans les scripts. Alors, on peut peut-être jeter... Ah oui, effectivement, on peut jeter un œil sur le site de Nmap. Et sinon, si vous avez installé Nmap, on peut faire ça. Hey, merci beaucoup pour le follow, Tico13. Merci à toi. Capitaine, j'ai la doc. Voilà, exactement. Hop, et là, on a tout un tas de fichiers NSE qui sont en fait, donc littéralement, nos... qui sont littéralement les scripts. Alors, on peut peut-être jeter un oeil, hein, tant qu'à faire, histoire d'être là. Est-ce qu'il y aurait un truc marrant, tiens, à aller regarder comme... tiens, marrant. Docker version. Allez. Donc là, en gros, c'est un script Lua qui cherche... à détecter la version de Docker qui est installée quand quelqu'un a réussi à détecter voilà, et donc il arrive à récupérer alors j'imagine que il doit y avoir aussi d'autres trucs de ce genre là pour récupérer les versions des serveurs web ou des serveurs d'applications. Il y a même des trucs Bitcoin. Oh punaise, c'est encore utilisé ça, Bacorifice. Pour l'anecdote, alors je sais pas si tout le monde était... je suis pas sûr que tout le monde était né à ce moment-là, mais il y avait un truc de Microsoft, je crois, qui s'appelait Bacoffice. Et il y avait une vulnérabilité, le truc était ultra vulnérable. Et il y avait un outil pour exploiter les vulnérabilités, et l'outil s'appelait Bacorifice. Ouais, c'est ça, bienvenue dans les années 90. Tiens, on a même des trucs pour le protocole AFP, qui est le protocole de partage de fichiers d'Apple. Alors, qui de mémoire est obsolète, hein, maintenant, je crois. De toute façon, aujourd'hui, sur un Mac, quand vous vous connectez à un partage réseau, c'est en utilisant du CIFS. Hein. Encore que, un Mac peut se connecter en NFS aussi. Donc... Ah. Ouais, ok, d'accord. Le fichier s'appelle .db, mais en fait, c'est juste un fichier texte formaté. Ok, et du coup, là-dedans, j'ai un, donc j'ai un fichier .db. Ok, donc j'ai un script .db. On va aller rejeter un œil. Hein. Hop, ouais, effectivement, c'est... ok. C'est marrant, on dirait du JSON. Hein. Ah. Ah bah je l'ai pas installé, tiens. Allez, moins Y, installe JQ. Vous allez voir, JQ c'est sympa comme outil.
Alors pendant ce temps. Ah oui, on peut grepper directement. Ouais, JQ, c'est un petit outil sympathique pour aller... hop, est-ce que ça passe? Ah non, c'est pas du JQ, ok. Enfin, c'est pas du JSON. Ça permet... voilà, c'est un processeur en ligne de commande pour le format JSON. Alors, j'ai pas forcément de fichier JSON sous la main pour vous montrer, mais c'est assez pratique. Et bien entendu, ça gère... l'avantage que j'aime beaucoup, c'est que ça gère la couleur. Et c'est très pratique. Salut à toi Yoda, bienvenue. Alors, notez l'utilisation. Alors, du coup, on va regarder ça. Hein, hop. On va les faire les commandes, tiens, on va rigoler un peu. Je prends un peu mon temps ce soir. Hop, voilà, il y a plein de trucs. Ok. Grep safe, ok. Donc, maintenant, search for SMB. Bon, bah écoute, on va faire ça. Laisse-moi grep SMB, allez hop. Non, pas SMBB, SMB tout court. Voilà. Oh, il y en a plein. Quel est le nom de fichier du script qui détermine la l'OS derrière le serveur SMB? Eh bah, smbosdiscovery.nse. Tala. Submit. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il... Il dépend sur, il dépend de, il dépend de plein de trucs. Description, parce que là, attends, là on a quoi? Ah non, ça c'est local, require, description, est-ce qu'il y aurait un truc de dépendance? J'ai encore lu le truc à moitié. Hein. Catégorie. Parce que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y aurait 10 caractères. Date time peut-être. 1, 2, 3, 4. Ah non, 8. Voilà, dependencies, SMB brut. Ok. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Bon. Donc maintenant qu'on a des techniques pour bypasser les firewalls. Une autre configuration. Ah, pour savoir comment bypasser. Comment passer outre, pardon. Comment contourner. Votre Windows typique. Ouais. Il va bloquer. Ah oui, c'est vrai. Avec le firewall par défaut, Windows bloque tout l'ICMP. Ok. Alors, donc il faut, oui effectivement, le moins grand PN, ouais ça je le fais, comme ça on s'embête pas à pinger le host avant. Alors, variété, on peut fragmenter les paquets, ok. Une alternative, ah oui on peut tripoter le MTU avec Nmap, ok c'est cool. Mais par contre, ça doit être un multiple de 8. Ok. Et scan delay, utilisé pour... Ah oui, bah oui, forcément, comme ça... bad sum, generate invalid checksum. Ok. Ah, pas con. Pas con, pas con. Tiens, de volontairement balancer un truc qui est mal formé pour vérifier s'il y a un firewall en face qui va dropper le paquet mal formé. Donc, bah le protocole qui est ICMP, voilà. Et que le script Nmap permet d'ajouter. Ah, attends, quel switch Nmap permet d'ajouter data. On l'a vu là-dedans. Mais non, faut pas avoir la pression, FTLab. Tu te lances, puis tu verras bien ce que ça donne. Ce serait moins bad sum. Non, c'est pas ça.
Là je suis tenté de faire un petit man and map, hein, honnêtement. TH, hop là. Ah, moins data length. Il y était dans le... Il était dans le truc? Non, je l'ai pas vu. Ok, bon, c'est peut-être un moyen d'aller nous faire chercher dans la doc. Allez, on va s'y mettre quand même. Ah, est-ce qu'on va pratiquer? As had around 10 minutes to start. Ouais, je pense. D'accord, la machine, il fallait qu'elle attende 10 minutes. Est-ce que la target répond à l'ICMP? Eh bah écoute, on va bien voir. Hein. Allez hop. Sudo nmap moins. On avait dit quoi que c'était moins petit s moins petit n. Hein. Hop. Ben non, a priori, non. Elle ne répond pas au ping. Ceci étant, c'est con, hein, mais au lieu de faire un nmap, on aurait pu faire un ping, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Bref. Une fois sur le tatami, la pression, elle passe. Après, c'est comme toutes les bonnes choses, hein, faut pas en abuser. Hein. Je tiens à préciser, comme à mon habitude, que je stream sobre, c'est de la grenadine. De la grenadine sans sucre. Alors, remarquez, vu ma journée, j'aurais peut-être dû rajouter du sucre. Ou prendre une grenadine sucrée. La pression, je préfère la boire que la subir. C'est très... Ouais. Alors, voilà, encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va faire un scan Christmas de des premiers 1000 ports. Ouais, ok. Alors, sudo nmap. Donc, on va faire déjà un moins grand pn parce que le truc tient pas le ping. Non, même pas de grenadine avec du houblon pour le coup. Quoique, un Monaco, c'est sympa une fois de temps en temps, mais. Encore que je sais pas si je devrais dire ce genre de choses-là. Parce que moi, ensuite, les vidéos, je les remets sur YouTube. Alors, bon. J'ai cru comprendre que fallait éviter de. Alors, où est-ce que j'en étais? Moins PN, moins. Moins S. Alors, j'ai vu les trucs il n'y a pas longtemps. Pourtant, on va quand même regarder. Voilà, moins SX. Ok, c'est bien ce que je me disais. Hop. Et moins P1 à 999. Et on va scanner la même IP, je pense. Salut à toi Parados 3, bienvenue. Va des rétros Satanas. Ah bah que veux-tu? Moi je stream sobre, voilà. Pourquoi je passe en sudo pour faire un nmap? Parce que j'ai l'habitude de tenter des scans qui parfois nécessitent les privilèges root. Et du coup, réflexe, je cherche même plus à comprendre, je lance tous mes nmaps via sudo. T'as certains types de scans, des fois, qui nécessitent d'être root. Think carefully about which choose. Alors, attends. Là, j'étais là. Pardon. Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que... Hein, allez, moins T4. J'espère que ça va être... A priori... Je vais tenter un truc débile juste pendant ce temps, hein, juste pour la blague. Ok. Ok. Bon, bah, on va... hein. Alors... Il faut passer en sudo pour faire un map complet. Ouais, bien vu, Retorsbutor. Alors. Run this command with moins moins V switch. Ah, ok. Allez, on va recommencer.
Donc. Oui, effectivement, c'est très certainement pas nécessaire dans mon cas de figure là maintenant. Mais des fois, la mémoire musculaire l'emporte sur la raison. Alors, ah, quand même, 1 minute 12, bon, ça va. Et mine de rien, ça fait déjà, ouais, ça fait déjà 45 minutes, plus 48 minutes qu'on est en live. Et finalement, il aura été plus long que ce que je pensais. J'aurais pu faire un stream complet sur ce, comment dire, sur ce CTF. Puis a priori, la conclusion, c'est juste read the conclusion de Wenson. Ok. Alors, pour l'instant, scan timing, nanana. Et donc, censé être quoi la réponse? Ah, il y a une raison pour laquelle tous les ports sont montrés open ou filtrés. Alors, receive the user set. Not shown 999 open filter TCP port. No response. Je pense que c'est ça. Ouais. Et maintenant, on va refaire un TCP syn scan sur les premiers 5000 ports. Ok. Donc, on va reprendre notre commande. Et donc, on va pas faire un Christmas. On va faire un syn. Donc, c'est mon, de mémoire, c'est le moins petit s, moins grand s. Voilà, TCP syn. Et on veut les 1 à 5000. Bon, je vais mettre 1 à 5000. J'aurais pu faire 4999. Non, non, 1 à 5000, effectivement. Moins VV, moins T4, moins PN, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais rajouter? Non, puisque le but, c'est juste de montrer le nombre de ports ouverts. Ok, bah allez, banco. Donc, a priori, c'est déjà la fête. On a de l'HTTP, on a du DNS, on a du FTP. Ça de mémoire c'est du Windows ça non? Le 135. Le 135 ça 3389 ça serait très clairement du RDP. Ah oui, MSRPC. Non, MSRPC c'est pas du NFS. ETC services. EP map. Lock SRV. Hein? J'ai un trou de mémoire. C'est moche ça. Moche d'avoir un trou de mémoire comme ça. Donc a priori, on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont ouverts. Hop. Open Wireshark. Est-ce que j'ai Wireshark dans le coin? Non. Hop, application. Il n'y a pas moyen d'aller lui dire... d'aller rechercher... Bah attends, je suis bête. Hop, c'est du gnome. Wire Shark. Ouais! Qu'est-ce qu'il dit? Ouvrir Wire Shark et faire une connexion. Ah, il va falloir que je scanne le truc. Donc, idéalement, il faudrait que je lance en tant que root. Donc, est-ce que dans les trucs, on aurait sniffing and spoofing? Et si je fais un clic... Non, clic droit, il me le lance normalement. Donc, on va faire un petit sudo Wireshark. Allez.
Voilà. Ensuite, on va se mettre sur... on va se mettre sur Thune 0, du coup. Puisque l'idée, c'est de scanner dans le VPN. Hein. Et on refait un... Et cette fois-ci, on fait un TCP Connect Scan sur le port 80. Donc, on va revenir ici. Hop. Donc, on a dit qu'on faisait un... qu'on faisait quoi exactement? Un TCP Connect. Donc, si je reviens ici, le TCP Connect, voilà, c'est le moins petit s grand t. Hop. Donc, je fais toujours la même chose, mais juste sur le port 80. Donc, je garde mes options de verbosité, d'agressivité. On a vu que, de toute façon, la machine ne pingait pas. Donc, on peut y aller. C'est parti. Et donc là, on doit avoir des choses. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit bien d'ailleurs, tiens, le Wireshark? Je suis pas sûr de pouvoir zoomer le... Déjà là, l'interface de ma Kali, il est un peu zoomé. Hein. Et là, on a eu Syn, Syn Hack, Hack, et ensuite on a eu un RST Hack. Ok. Qu'est-ce qu'on est censé voir? C'est juste on est censé le faire. Ok. D'accord. Et on va déployer le FTP Anon Script contre la box. Ah. Alors, on avait fait un nmap. Alors du coup, moins p, on va dire moins p, bah 21. Et moins script égale ftp-anon. ftp-anon. Et la question c'est, est-ce qu'il peut se loguer sur le serveur FTP sur le port 21 en tant qu'anonyme? Il a l'air de prendre un petit peu son temps. Et a priori, il a pu se connecter. Le login FTP est autorisé. Mais il a pas pu se faire un... Je tentais de répondre oui. Et tout à fait. Bon, voilà. Et la conclusion, bah voilà, ça c'est fait. Voili voilou pour ce... Hop, et là on peut faire un petit terminate du coup. Hop. Et bah c'était sympa. Moi ça m'a bien aimé. J'ai bien aimé revenir sur ces choses-là. J'ai appris des trucs quand même, parce que effectivement les scans nuls fin et Christmas, je les ai quasiment jamais utilisés. Merci à toi FCLab. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on s'en refait un, est-ce qu'on est capable d'en faire un en moins d'une heure? Parce que je vous avoue que démarrer un CTF pour le finir la semaine d'après et me dire la semaine d'après, mais en fait, si je le finis, il va me rester la moitié du stream à meubler. Ça va être un petit peu... Salut à toi, Botkin. J'avoue, pour meubler la moitié du stream, ça risque d'être... La force est... Ah oui, la force est dans la compote. Faudra que je m'en ressorte du congélateur de la compote, tiens. Salut à toi, Cool Freeze. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dans... hop. Compit. Dashboard. Ouais, bon, ça on l'a vu. Learn. Bon, ça c'est juste les... Hop, practice. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme... Parce que du coup, la nmap, on l'a faite. Qu'est-ce qu'on a d'amusant qui pourrait durer... Ce serait pas mal, tiens, s'ils pouvaient ajouter des temps estimés de... Tipool, challenge, most popular, new worst, difficulté... Pour l'instant, on va rester sur le easy, parce qu'en une heure... Ouais, c'est ça, pendant le temps moyen. Le temps moyen que les gens mettent pour faire les trucs.
Certains les font en speedrun. Oh là. Most popular. A priori, tout ça. Alors, on va faire. Hop, on va. Comme ça, on va s'en rajouter quelques-uns. Capture the flag. Lazy admin. Easy Linux machine to practice your skills. Oh là. Alors, bot clean, oui, root me est pas mal. Ah, root me. Ah oui, la machine root me. Ok. Je pensais du coup au service. Au site internet root me. Hey, merci beaucoup pour le follow, Negative IQ Viewer. Merci à toi. Sinon, il y a Agent Sudo qui est vraiment pas mal. Hop. Est-ce qu'il est dans le coin? Hop, Agent Sudo. Vous avez trouvé un serveur secret sous l'eau. Your task is to hack inside the server and reveal the truth. Oh! Et merci pour le follow, Vanuska. Merci à toi, c'est très gentil. Enumerate, exploit, brute force, hash cracking. Alors, on a vu que le hash cracking, c'était pas toujours évident. Et là, qu'est-ce qu'on a comme... J'ai même pas regardé les trucs sur Lazy Admin, tiens. Security Linux. Oh, on va peut-être tenter la Lazy Admin. On va espérer qu'on arrive à la compromettre en moins d'une heure. Et merci beaucoup pour ton follow, Cool Freeze. Merci à toi. On va peut-être tenter celle-là, tiens. Hey, merci pour le follow, BotClean. Merci à toi. Donc, on va démarrer. Ah, il faut join la room, c'est vrai. Hop. Et ensuite, démarrer la machine. Hop. Ah ouais, cache. Quel est le user flag? Quel est le root flag? D'accord. Donc a priori, on disait que c'était juste une machine Easy Linux machine pour pratiquer les... Ok, bah, on a fait du Nmap. On va peut-être commencer à gérer ça. Et on va attendre gentiment que l'adresse IP s'affiche. Alors ils annoncent quand même qu'il faut 2 à 3 minutes pour que la machine boot. On va espérer que ça ne nous handicape pas. Il y a des gens qui l'ont faite par ici, cette machine-là? Lazy Admin. Le nom m'amuse, en fait, parce que je... Moi, en tant qu'admin, je me définis parfois comme un peu paresseux, donc... J'ai tendance à dire qu'un... Enfin, c'est pas de moi, mais qu'un bon informaticien est un informaticien fainéant. On va se faire un toc, hop, et on va faire, hop, j'ai oublié, on a le, c'est le moins haut, on a la détection d'OS quelque part, voilà, le moins grand haut, mais surtout, moi, ce que je voudrais, c'est rajouter le, les fichiers de résultats. Alors, il y a le moins ON, mais il y a un truc qui fait... qui fait la totale, je crois, et qui est moins OA. Voilà, que j'ai pas l'habitude, je m'en rappelle pas de celui-là. Donc, moins OA. Allez, c'est parti. Host Discovery, gna gna gna, no... Ah, je me suis viandé. No target were specified zero, zero host. Ah, à moins qu'il faille que je fasse ça. Hop. Je vais le mettre avant. Non. Ah oui, requires an argument. Ok. Donc, moins OA. Hop, puis on va faire un... Voilà. Tous les informaticiens sont des fainéants. Enfin, l'informaticien va passer 10 jours pour programmer un truc qu'un pourrait faire en 10 heures et son programme le fera en 10 minutes. BotClean, d'accord, tu rigoles sur la commande de Turfu. Oula, on a vu des choses là. Il s'est passé des trucs bizarres. Donc on a un SSH.
On a un HTTP. On n'a pas de OS match exact, mais ok. Donc on a juste un SSH et un HTTP. Bon, on va déjà aller jeter un œil sur le site. http://. Hop là. Alors, éviter les espaces. Donc c'est une page par défaut. Ok. Ça, on va les... Hop, on va le virer. Donc, la machine est censée mettre 2 à 3 minutes pour booter. Et effectivement, un GoBuster. Effectivement, c'est intéressant. Alors, j'avais cru comprendre, Botkin, qu'il fallait éviter moins T5 sur les machines Try Acme. Mais on peut peut-être tenter, effectivement, un moins SV. On va peut-être relancer le Bignou. Hop. Allez. Et ensuite, on va peut-être tenter un GoBuster, effectivement. J'utilise pas assez, d'ailleurs, GoBuster. Bon, il retente l'OS détection. J'aurais peut-être dû l'enlever, d'ailleurs, parce qu'on se doute bien que c'est un Ubuntu, maintenant. Alors... Donc, on a un OpenSSH 7.2p2 et on en a page de 4.18. Alors, la question, c'est est-ce que on a des vulnérabilités là-dedans? Alors là, j'ai rien niveau... Ah, bah, ça commence bien. Hey, Google qui fait hey, au fait, tu cherches des exploits? Username et énumération. D'accord. Et ensuite, si je fais ça, juste avec le ping, tu peux connaître l'OS en plus. Ok. Alors, hop. La page de 4.18 Ubuntu exploit. Voilà. Bon. Bah écoute, comme ça, moi, ça le mérite d'être clair. Hein. Alors, ah, puis on se retrouve sur exploit DD. Ok. Et c'est à nouveau du script Python. Et comme je suis sur une petite Kali, qu'à la limite, je peux la désinguer si jamais le script est moisi. On va faire un copy. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans un... Hop là. Donc... C'est quoi le nom de la CVE? CVE 2016-7210. CVE 2016-7210.py. Hop. Si je tape Python tout court, j'ai un Python 3.10. Ok. Et si je tape un Python 2, j'ai un Python 2.7. Ok. Donc, comme d'habitude, hop, Python 2, hop, apt search Python 2-paramico. Ou alors sinon, ça va finir en rechercher un exploit qui marche en Python 3. Ok. Parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, tous les... Ouais, c'est ça, tous les trucs Python sont passés en Python 3, tous les modules. Ce qui est somme toute assez logique. Donc allons-y. Python 3. Là, il y a un SSH enum. Ah. On va aller jeter un œil au script. Lui, il dit usr bin python. Ça m'emballe pas des masses. Une branche, zéro tag. Ah, il y a eu des issues ou des pull requests.
Merge pull request. Updating fonction. Ah, donc il y a peut-être moyen qu'il marche en Python 3 alors. Je serais même tenté de vouloir voir s'il n'y aurait pas un script nmap NSE, ça. Donc on a quel CVE? PIP2. Il y a PIP2 là-dessus ou pas? Ouais. PIP 2.7. J'ai que PIP 3 ou PIP 3.10. Dommage. Hop là. Ah oui, je voulais chercher si dans les trucs nmap, dans les scripts, on n'aurait pas la CVE justement. Donc le username énumération, on a dit que c'était quel CVE 2016-7210. Hop. Non, pas de résultat. Et on va faire SSH énumération. SSH2 enumalgo, SSH brut. House method, run. Enum cipher. SMB, non. Non, a priori, personne ne l'a fait en nmap NSE. Mais a priori, ce script-là marcherait en Python. Bon, on va le cloner, puis on va bien voir. Hein. Ah, il y a moyen de faire ça? C'est quoi les trucs? Paramico, time, numpy. Ah zut. Non, ça suffit pas. Voilà. Allons-y. Il n'y a que Georges qui peut cloner un repo git. Donc on disait Python 2 moins M PIP. Install Paramico. Alors la question c'est est-ce que le script passerait en Python 3? Ah bah il passe en Python 3 en fait. Alors, host, et ben le host, hop, on va le prendre. C'est. Non, c'est pas celui-là. Hop. C'est celui-ci, lazy admin. Alors, moins h, hop. Est-ce qu'on peut lui donner. Est-ce qu'il faut lui donner une user list? Oui, il va peut-être falloir lui donner une user list. Ah, c'est juste host, c'est pas moins h. Host, ok. Unrecognized argument. Alors attends. Moins help. Ah juste d'accord. C'est juste un posi. Ok. Hop. You must give a user or list a user. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme user list? Bon appétit Retorsbutor, à plus. Qu'est-ce qu'on peut chercher comme user list? Alors je sais qu'on avait RockYou en termes de liste de mots de passe, mais est-ce que par hasard dans les alors word list hop. Dire Buster, DNS Map, Fast Track, John, Légion, Metasploit, Nmap. Map. Et il n'y avait pas carrément une user list dans le GitHub là? Si, il y a une liste de username. J'ai envie de dire à un moment.
J'ai envie de dire. Voilà. Hop. Allez. Ça, c'est fait. Hop. Donc, on a fait. On a tenté ça. Et donc, maintenant, moins U. Moins grand U, user list. Et on va faire point slash usernames.txt. Et on va peut-être faire un moins E pour montrer que les trucs. Byte sample factor 13. Ouais, allez, hop. Salut à toi, Dino Kalewos. Qu'est-ce qu'il a? Module time has no attribute clock. Alors, Python 3. C'est chelou cette affaire. Vous savez quoi? Je vais vraiment prendre le truc là sur GitHub. Allez hop. Tac. Alors, README, on va peut-être lire le truc. Ouais, non, en fait, pas grand chose. Alors, rhost. Donc, on va faire un petit moins V. Et on va dire l'IP de la machine. Et l'IP de la machine, elle est. Hop, elle n'est pas sur celui-ci, elle est là. Ok, donc a priori, ça, on a. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer là-dessus ? Alors, je vais tenter un truc débile pour l'instant. Ça va aller le coup d'essayer. J'ai tenté route hein, comme mot de passe. Hein. Je me suis dit, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Qu'est-ce qu'on a dans les trucs sur... Il n'y a pas les mots de passe, non ? Word list. À moins que je tente une tentative de brute force avec des mots de passe. À grand coup de... C'est quoi déjà le brute forceur de SSH ? C'est Hydra, non ? Si je me rappelle bien. Tiens, déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est relancer ce truc-là. Moins A. SSH users.txt. Voilà. Pour botlin, ouais, on va tenter un Hydra. Alors. Hydra, brute force de tout. Alors. Moins L, login. File, là. Moins P. Alors je crois qu'on avait voulu. On avait la Roku, mais elle est quand même assez. Parce que là on risque d'être un petit moment. J'aurais essayé dans le doute admin avec le SSH. Le nom du CTF, c'est lazy admin. Ah, ça se tente quand même, effectivement. Bien vu. Alors, on va reprendre l'IP. Eh non.
Stupid Ones in Production. Oh, j'avoue, celui-là, il est... il est tentant, hein. Il est tentant. Alors, 4. Ouais, bah, je l'ai tenté en minuscule. Alors, 4, c'était quoi? USR Shell List Passwords. Stupid One in Production. Ouais, non. God Sex Secret. Le mec se... Tu as tout fait sur la partie web. Non, j'ai pas tout fait sur la partie web. Je peux lancer un GoBuster pendant ce temps, effectivement. Alors, je crois que je m'étais fait en plus des répertoires à la base. THM. J'avais fait quoi avant? J'avais laissé traîner des trucs. Alors, j'ai un petit rocku.txt ici. Ouais, 140 mégas, ça se tente. Ah ouais. Ah, j'avais dû installer GoBuster sur ma machine. Sur ma machine perso, là. Hop là. Et j'avais une directory list. Ok, je vais aller la récupérer. Non, il ne l'a pas. Alors. Ah oui, j'ai du mal à copier-coller d'une VM à mon poste. Alors, GitHub, hop, .com, slash David, hop. David Diaz slash node-dearbuster. Hop. Voilà. On va se mettre ça. On va se mettre ça quelque part quand même. Ça peut servir. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, c'est surtout pour récupérer les word lists en fait. Hein. Hop. Apache user enum directory list. On avait fait quoi? On avait fait la small hein, l'autre fois. On va peut-être tenter avec ça. Donc. Donc, si je tente un GoBuster, dir-u. Et t'es où, Apache? Hop, ici. Voilà. Tac, moins V, moins W, point, point, slash. Lazy admin. Non, pas lazy admin. Hop. On a dit node dir buster. Voilà. Et dans les listes, et on a un directory list. Tiret 2.3 small. Voilà, on va tenter ça déjà. Et je vais le relancer. Et on va faire un pipe grep moins V 400. Ah non, on va tout balancer dans le truc. Allez, pipe T moins A gobuster.log. Voilà. Allez, c'est parti. Et je me demande d'ailleurs si j'ai pas déjà vu des choses. Ce qu'on peut faire, c'est aller carrément ici et aller dans. Mon répertoire document THM et on va aller dans le lazy admin et on peut faire un grep moins V 404 de gobuster.log et on a déjà un slash content. Non, on l'a pas déjà faite celle-ci? Ah, sweet rice tips for Go to dashboard general website. Ah, on a encore un CMS à la con. Pas de souci à toi, Rancune. À bientôt. Merci d'être passé. Basic CMS. Ah, mais en plus, le truc est. Le truc existe plus. Sweet Rice Notice.
Allez hop, copy. Sweet Rice CMS. Ah, default credential. Non. Non. Arbitre. Multiple vulnerabilities. Les IA. Ah non, il y a un write-up. Il y a un write-up. Non, non, on va pas regarder le write-up tout de suite. Tu ne regardes pas le robot.txt avant de faire le scan web. Eh ben non, puisque je n'ai pas encore le réflexe. Mais ça pourrait être une bonne idée de consulter ça, effectivement. Si je fais un petit curl de ça, slash robots.txt, tac. C'est slash robots, non? Bah déjà 404. Et on peut faire un slash content peut-être. Non plus. Parados, tu dis admin slash admin. Alors attends, pour le moment déjà, le site là, il a pas l'air ultra bien. Mais c'est Parados, tu dis ça sur le. Alors Parados qui demande pourquoi il faut regarder le robot.txt, c'est que pendant ce lag proposait de jeter un œil au robot.txt. Dans le cadre d'une recherche d'informations. Et pour toi, Parados, tu estimes que le login... Alors déjà d'une, dashboard général, déjà si le truc avait l'air de fonctionner, mais il n'a pas l'air très fonctionnel. Ça c'est quoi? Ça c'est le site. Ok. Alors déjà j'ai un slash content, mais est-ce que j'ai d'autres choses? Non, tout ce que j'ai c'est le slash content. Ok. Qui est un 301. Ah oui, le slash content sans slash qui est un 301 vers le avec un slash. Ok. T'as dit le mot de passe au pif, mais tout d'abord il faut trouver la page administrateur. Bah admin. PHP. Non. Non plus. Et bah ce qu'on peut peut-être faire, c'est relancer un autre GoBuster. Ouais, il a fini. Est-ce qu'on peut lancer un autre GoBuster en lui disant tu préfixes tout de... Man, ok. Hop. Man, go... Ok, allez, GoBuster, maman help. Est-ce qu'on peut lui dire essaye dans un... Use directory file enumeration mode, ça. Version VHost. Pop, moins delay, help, no error. Ah, a priori, il faudrait. Bon, allez-y, utilisez les petits emotes, ils sont là pour ça. Ouais, j'ai pas de préfixe. J'ai pas de préfixe avec GoBuster. Si jamais. À quand les emotes? Popolo, popom, GnuPG, pas mal GnuPG. Alors, default credentials, donc déjà, reset admin password, en-us.php, alors on va faire admin page, déjà, bon a priori, on va l'avoir, il y a des gens qui ont ouvert un site. Alors, le fameux pomme.xml. slash index. Alors, attends, c'est quoi ce truc? Slash as slash index.php. Slash as slash index.php. Ouais! Allez, admin. Login failed. Ça valait le coup de tenter sa chance. Root. Documentation. Sweet Rice. C'est peut-être. Non, simple website. Ah, oh, ça a l'air d'être ça, hein. Root slash admin. Tiens, ça se tente aussi.
Après, on va peut-être pas non plus tous les tenter en... Non plus. On peut peut-être essayer de tenter un bruit de force ou un... Ah, il y a un truc de reset admin, attends. Donc on fait quoi? Index type égale password, reset, ok. Méthode égale post. Attacker can change admin password. Donc on va le changer, hein. Mais a priori... Pour ça, il faudrait balancer un... Ah, faudrait refaire une page web qui a fait un form action. Ok, je crois que j'ai compris. Allez, hop, copie. VI exploit.html. Hop. On copie tout ça. On va mettre le nom de notre host ici. Enfin, le nom, du coup, l'IP. Hop. Slash content slash. Hop. Alors, du coup, ça, faut que je l'enlève. Et ça dégage aussi. Et ensuite, là, dans mon navigateur, je peux faire un... ouvrir un nouvel onglet. On va aller dans le home, dans les documents. On va aller sur lazy admin. Hop. Non, je ne l'ai pas. Fichtre. Qu'est-ce que j'ai Il manque peut-être un peu de boilerplate dans le HTML. Certes. Toi, t'aurais tant... Ah, bah, curl. Ouais, mais alors, attends, dans ce cas-là, il y a 3 slash. Ah, bah non, c'est pas normal. Attends, j'en ai 2 là. Non, j'en ai 2. HTTP 2 points slash slash. Ok. Je vais peut-être tenter un autre truc. Moins M. Oh, flûte, je l'ai oublié encore. Simple HTTP serveur, ouais, c'est ça, Xavier, c'est ce que j'étais en train de me demander. J'étais en train de rechercher ça dans une anti-sèche. Et cette anti-sèche, a priori. Cette anti-sèche. Voilà, Python-M. Voilà, Python-M. HTTP. HTTP.serveur. Et on va le mettre sur le 8080. Hop! Bah non, pas comme ça. HTTP 2.double slash 127.0.0.1. Non. Hop. .1. Voilà. Enable to connect. Bah oui, normal. Parce que j'ai oublié le numéro de port. Hop. 2.8081. Voilà. Exploit.html. Et nope. 200. Ok. On va la tenter avec un curl. Regarde dans l'inspecteur HTML ce que j'ai. Oui, alors je crois que c'est F12, hein, c'est ça. F1, F10, F11, F12. Est-ce que ça... Non, hop. Parce qu'il me répond 200, ok, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, le mot de passe doit être 1, 2, 3, du coup, maintenant. Mais j'ai pas forcément le nom de l'utilisateur. Si, je l'ai, non?
Merci beaucoup pour le follow, Kramnik13. Merci à toi. Voire même, c'est peut-être login 123 et mot de passe 123. On va le tenter. Non. Admin. Non plus. Route. Non plus. J'ai pas actionné l'input du formulaire. C'est possible. C'est possible. Hop. Ah oui, parce qu'il y a pas de... Il est où le bouton en fait? Input. Non, il n'y a pas de bouton en fait. Ouais, alors je t'avoue que mes compétences en JavaScript sont en fait de l'ordre du zéro absolu. J'avoue que bon, je vois des walkthroughs, je vois des write-up, mais oui, bah ça c'est ce qu'on a déjà vu. Hop, et personne d'autre a répondu. Non, ça c'est CMS Made Simple, c'est pas pareil. Alors là, il y a un cross-site request forgery. Un truc pour faire des requêtes HTTP. Bah si, j'ai curl. C'est vrai que j'ai curl. Je peux tenter de faire un post avec curl. Comment je fais déjà un post avec curl? Hop. Genre postman. Alors là, je connais absolument pas. J'ai pas du tout. Mais je pense qu'avec curl, je peux faire un post. Postman, c'est en GUI. Bah, alors, dans les applications. C'est un client. Ah, curl, c'est très bien, ouais. Ouais, bon. Pour faire des requêtes type REST. bon, je vais. Je sais que c'est pas très haut niveau de ma part, mais hop. Curl post request. Parce que bon. Curl moins grand X post. Ok, allez, c'est parti. Et on le fait sur http :// on a dit 127.0.0.2.8080 exploit.html 501 fichtre. Daniel Stenberg serait pas fier. Non. J'arrive pas à retenir les options de curl. Je suis désolé. C'est pas. Oui, puis en plus, j'aurais pu faire moins F, les trucs comme ça. Effectivement. Alors, attends, dans ce cas-là, plutôt que de balancer. Plutôt que de balancer comme ça, exploit.html. Je peux peut-être tenter un ah, et du coup il me file du JavaScript. Please input your administrator's email. Tu as un gars dans ta boîte qui veut qu'on remplace 7zip sur tous les postes de travail. C'est bon, 7zip c'est un logiciel russe? Non. Sérieux?
Faut que je les mette en argument de body. Tac, 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 tac. Alors attends. Tu crois ça... Oh, j'ai un peu du mal à vous suivre là. Hop là. Effectivement, comme Gnidi GnuPG, hein, d'un côté, on a Nginx qui a été initialement fait par des Russes. Hein. Enfin, par un Russe, Igor Sisoev. Mais au pire, tape un truc, c'est un formulaire with curl sur Google. Ça se tente. Mais remarque, non, attends, là, t'as moins D name égal, moins D email égal. Donc, à la limite, je peux tenter un... Alors, je vais couper ça. Name P1. Ah oui, je peux faire. Name égal, type égal, hidden value. Ouais, scène de Formula with curl, effectivement. Allez. David Walsh. Et B. Alors. Moins grand F, username égale, moins F, password égale. Il faut ajouter un moins grand f pour chaque field égal value. Ok. Donc, si je pige bien. Hop. Faut que je lui dise moins grand f. Alors non, faut que je rajoute avant. Voilà. Je mets un moins grand f. Et donc, je dis name égale p1. Hop, moins f value égale 1, 2, 3. Et je fais un moins f hop, name égale p2. Égale p2. Moins f value égale 1, 2, 3. Hop. Il faut que je rajoute un name, je refais un moins name, enfin moins f name égale email, voilà, et là moins f value égale, bon, on va faire admin at example.com. Et ensuite, il y a un input value. On va commencer comme ça. Ça donne quoi, ça? J'ai pas l'impression qu'il a apprécié. Il me dit quoi? Alors, désolé, welcome to Sweet Rice. Please input your administrator's email. Oui, mais ça, je l'ai fait. Non plus. Ok. Je pense que je vais regarder un write-up. Hein. Je vais finir par regarder un write-up. C'est un peu moche, mais... Sloloris, ok, bon. Bah, de toute façon, il y a des write-up directement sur, sur TryAcme, je crois. Write-up. Alors. Lazy admin. Alors, je sais pas dans quel ordre ils les mettent. Est-ce qu'il y a des gens qui... D'accord, c'est juste plein de gens qui ont écrit. Allez.
Pas de soucis, Xavier. Bonne fin de soirée. Moins F, P1 égale 1, 2, 3. Je vais quand même tenter ma chance, tiens, avec ça, turbo droite. On sait jamais. Alors, tu as dit P1 égale... Hop, on va le tenter. P1 égale 1, 2, 3. Hop, P2 égale 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire email égale... Email égale... Ah, zut. Hop, email égale... Et l'esperluette dans l'URL, ça va pas faire ce que tu veux. Ah oui, il faut la mettre en tout simple quote. Effectivement, bien vu. Bah non, attends, on va enlever ça. On va enlever ça. Et c'est ici où on met... Où on met email égale et... Je crois que je peux mettre carrément toute l'URL entre quote, non? Ça a pas l'air d'être ça. Je pense qu'il me dit encore require, gnagnagna... Welcome to Sweet Rice. Ouais, ok. J'ai pas forcément compris. Hop. Non, on va le mettre entre simple code, juste là. Je peux pas mettre un anti-slash ? Oh, mais c'est pas grave, Turbo. Je tente ma chance. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. D'ailleurs, il faut que je remonte un peu ça. Hop, comme ça, vous le voyez un peu. Ah, c'était bien toute l'URL et ça fonctionnait. Ah! Ok. Mais la question, c'est est-ce que j'arrivais à exploiter le truc? Toc, toc, toc. XXMass 29. Alors, tu l'as fait, c'est cool. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment j'exploite ce Binu. Comment j'exploite ce Binu. Mais je veux pas non plus que tu me donnes la réponse tout cuit dans un truc. Donc je serais curieux de savoir si à ton avis, je chauffe ou je refroidis. Parce que sinon, je vais aller regarder un write-up. Ah, tu viens d'arriver. Ok. Alors, tu viens d'arriver. En gros, on essaye de faire... on essaye de faire... le lazy admin. J'en suis à... j'ai trouvé le CMS. Sweet Rice. J'ai énuméré des accès SSH. Non, Turbo. J'ai pas les logs. Vu que je suis pas logué sur la machine. J'ai pas lancé, tiens d'ailleurs, je voulais lancer un Hydra tout à l'heure, non? Je sais plus où j'en suis. Hop. Oui, c'est ça, au début, je me demandais si j'allais pas lancer un Brute Force SSH. Et dans les checklists, on a des passwords. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ça vaut pas le coup de lancer... 2020-200. 500, c'est pas soi. Ok. Alors. Hydra-L. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire une liste de login? Ah, si, il dit moins grand L file. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans THM. Non, dans document THM, hop, on a dit lazy admin. Zut, ah oui, c'était dans le home que j'avais fait les trucs. On va déplacer le MV username dans hop, document. Voilà. Document THM lazy admin. Hop. Et d'ailleurs MV10 machin étoile dans pareil. Hop. Et MV CVE nanana étoile pareil. Voilà.
Ah non, ça c'était la liste des users. Bah fichtre alors, qu'est-ce qu'on en a fait? User list, je l'ai pas, ah, je l'ai pas gardé. Bon, et ben on va devoir la refaire. Alors, donc on en était à PipeGrep 2016, puisque je l'ai faite. Voilà. Tac. Et voilà. Alors la version du CMS. Alors, ce qu'on a cru voir. Alors effectivement. Copyright 2022. Oula. La version du CMS. On n'a pas forcément regardé. On s'est envoyé tout de suite vers un. Vers une tentative d'exploitation de reset de mot de passe admin. Parce qu'en plus, leur site, là, l'URL, elle est plus valide, visiblement. Il y a un squatter à la place. Et je n'ai pas encore vu quelle version du CMS on a. C'est quoi, ce truc? Ah, c'est juste le... Pff, ok. Pourquoi pas. Et là, on a juste le truc de base. Et je vois pas le... Je vois pas la version. Forgot password. Ouais, bah ça... Ok. Donc à chaque fois, il me met type égale password. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est qu'il nous manquait ça, le attribute clock. Mais comment on avait fait tout à l'heure? On avait trouvé des mots de passe pourtant. On avait trouvé des mots de passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait sur ce truc? Sur ce truc. Python 3 SSH enum.py. Ah, j'ai utilisé SSH enum, c'est pour ça. C'est pour ça. Et du coup, j'ai dû laisser les trucs team users. Oh punaise. Voilà, c'est ça. MV na dans hop, document try avec me lazy admin. Ok, et ensuite on va aller là-dedans. Hop, voilà, je les avais les users en fait. Voilà. Donc on a root user. Alors. Alors, j'ai un plugin faire WebAlai. Ah, ok. Oui, c'est vrai que j'aurais dû m'en rappeler de celui-là. Firefox, on va aller installer les plugins. Hop. Alors. Alors, demeure, c'est WebAlai. En plus, je l'ai déjà installé ailleurs. J'aurais peut-être dû le rajouter. Allez, WebAlizer. Tac. Ok, ça y est, il est installé. Hop. Et on va pouvoir aller sur... il est où? Il est passé où le truc? Ça, c'était quoi? Ça, c'était vulnérabilité Apache. Hop. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit... Ouais, page 2.4.18, Ubuntu, ça, on savait déjà.
Ouais, ok, soit. Peut-être que si je reviens ici. Il n'y a pas plus, non. Il n'y a pas plus. Donc là, j'ai mes username SSH. Et ce que je voulais faire, c'était lancer un Hydra. Donc, Hydra-L, username underscore SSH.txt. Moins grand P. Alors, la liste de mots de passe. Et c'est là qu'on se disait qu'on allait peut-être tenter je ne sais plus laquelle. Le Wireshark, on peut l'arrêter, je crois, vu qu'il datait de l'autre truc. Et... Hop. Alors. Alors, notre Dear Buster, on a quoi dans les listes? Ah oui, non, ça c'était Dear Buster, c'était pas les... C'était dans EasyCTF où on avait un... Ouais, on avait le requeue.txt dans EasyCTF. Donc... On va peut-être faire ça. Alors, point point slash easyctf requeue.txt. Et ensuite, il me faut SSH, c'est ça. Supported service. SSH. 2 point slash slash. Et quelle est l'IP? Hop. Ah non, pas HTTP. Hop. Et remarque à la limite. -a-hydra.log. Hop, voilà. Bon, déjà, ça, on va lancer. Pendant ce temps, la version du CMS est... Alors, ce qui m'embête, c'est que du coup, le copyright est de 2022. Est-ce que par hasard il n'y aurait pas carrément un truc comme ça sur du Metasploit par exemple? Quitte à. FCLab, non, le GoBuster, il avait donné juste justement la page du CMS, en fait. Mais ceci étant dit, est-ce qu'on pourrait pas tenter un truc en mode... est-ce qu'on pourrait pas tenter un truc en mode... Alors, quelle liste j'avais pris de mon GoBuster? C'est une excellente question. Attends, là, hop, je suis plus sur la bonne machine. Hop là, voilà. Qu'est-ce que j'avais? J'aurais dû faire un Tmux au lieu d'ouvrir 25 onglets dans TileX. Parce que je suis un peu perdu. GoBuster, j'avais utilisé la small. Ah, tu voudrais que j'utilise une plus grande? Une médium. Ça se tente, hein. Voilà, et ça se tente. Alors pendant ce temps, ici, 156 essais par minute, ok. Bon, on verra bien ce que ça donne.
Ouais, alors pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre? Qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre? Parce que là, il parle d'une vulnérabilité de type cross-site scripting, mais... Ah, ouais, c'est toujours la même. Mais bon, voilà, elle date de 2010. Alors, à moins que le truc, là, il soit en mode... je mets toujours l'année courante, ce qui est possible d'ailleurs. Je vais le vérifier, tiens, ça, le copyright. Powered by, il est où? Ah non, tiens, il est... Alors, soit il est généré côté PHP. Bon, en tout cas, c'est pas grave, Christmas 29. Il n'y a pas de souci, hein, ça arrive, des fois, on n'écrit pas forcément ce à quoi on pense. Donc ça, la username énumération, on l'a vu. SSH énum, on est en train de l'utiliser. Ça, on l'a vu, ça marchait pas. Et qu'est-ce qu'on aurait comme exploit sur Apache 2.4.18 Après, comme il écrit lazy admin, je pense que exploiter une vulnérabilité d'Apache, je suis pas sûr que ça fasse partie des trucs lazy. Tu te la refais en speed. Oh, c'est gentil ça. Après, il y a les write-up, hein. Je peux toujours à un moment dire, allez hop, je regarde un write-up, je m'arrête là où je bloque, et puis ensuite j'arrête de regarder et je... Ça du coup, c'était hop. Bon. On va voir ce que ça donne là, une fois que le... Enfin, si le... Parce que ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le GoBuster. Je sais pas combien de temps le GoBuster va prendre. Je vais peut-être regarder d'ailleurs déjà si dans le GoBuster... grep-v404 dans le GoBuster Medium. S'il y a déjà des trucs. Pour l'instant, il y a juste le slash content. Mais je pense qu'on va finir par la retenter dimanche prochain. Donc c'est encore la même. Ça va être encore la même blague. C'est je me fais des CTF. Ah, la machine a expiré. Lazy admin. Ah, la machine a expiré. Bon, bah en gros, là, c'est chelou cette affaire. Attends, la machine a expiré ou... Ah, je l'ai toujours pourtant. C'est chelou cette affaire. Ok, bon, alors si la machine a expiré, alors je vais peut-être arrêter le bignou. Là aussi. Et je suspecte. Alors, honnêtement, en général, à cette heure-ci, c'est plutôt fin de stream. Moi, ce que je vous propose, c'est que puisque de toute façon la machine a expiré, c'est qu'on reprenne la semaine prochaine. Qu'on reprenne dimanche prochain. Et ce que je ferai sans doute, c'est que dimanche prochain, je ferai que ce CTF. Hey, merci beaucoup pour le follow slash follow. Merci à toi. Et je ferai que ce CTF et ensuite je switcherai sur d'autres trucs. C'est pas que j'en ai marre de faire du CTF, mais en fait ce qui m'enquiquine, c'est de démarrer un CTF et pas le terminer. Merci beaucoup Christmas29 pour le follow. Ce qui m'embête, c'est de faire des 2000, en fait de faire des CTF sur des 2000 lives. Et ça m'embête un peu. Donc alors il est probable d'ailleurs que je fasse autre chose que du CTF après. Mais tiens, ah oui, ça c'est mon IP. Mais en gros, l'idée ce sera d'essayer de faire en sorte que je fais un live sur un CTF. Et si je termine avant la fin du live, tant mieux. Mais j'essaye de pas en recommencer un avant un autre live. Voili-voilou. Bon, on va revenir comme ça. Bon, c'était quand même intéressant. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, moi, il me manque beaucoup de réflexes.
en termes de Red Team. Donc je suis je pense que bah, il faut que j'acquière les réflexes et ça se fait par la pratique. Il y a d'autres choses que je vais vouloir pratiquer au-delà du CTF, mais pas forcément en cybersécu. Donc je vais peut-être pas non plus faire du CTF tous les dimanches. Même si c'est amusant, hein, que les choses soient très claires, ça m'amuse pas mal. Que vous dire d'autre? Que alors? Habituellement, je stream 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Donc a priori, le stream de dimanche prochain, il n'y a pas de souci, il aura lieu de 18h à 20h, sauf pépin de dernière minute. Par contre, pour le stream de jeudi, il n'aura pas lieu jeudi. Je vais voir si je vais pas le faire mercredi. Sans garantie, parce que chaque mercredi il y a d'autres streamers et c'est bon. Je sais que voilà, si j'attends que, enfin, si je stream au moment où d'autres ne stream pas, je stream jamais. Mais je suis conscient qu'il y a des gens le mercredi, ils ont d'autres streams. Je pense notamment à Yorzion. Bah tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit shoot-out à Yorzion. Hop, Yorzion. Hop. Voilà. J'espère que c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Hop. Donc allez poser un follow de ma part à Yorzian si vous ne le followez pas déjà. Merci beaucoup pour le follow, Eldan. Merci à toi. Bah, il n'y a pas de souci, Dino. Tu t'es absenté, mais de toute façon, là, ça va être fin de stream. Non, j'ai pas réussi. Mais ce n'est que partie remise. Je recommencerai dimanche prochain. Mais par contre, je recommencerai pas comment dire, d'autres CTF juste derrière, pour éviter de comment dire de démarrer un CTF en cours de stream pour justement ne pas le finir. Donc, exceptionnellement, le stream de jeudi sera peut-être mercredi. Les streams en semaine, généralement, c'est ce que je fais de l'infrastructure as code. Donc en gros, j'ai un labo virtuel dans une machine physique sous le bureau. Et en gros, on essaye de monter une sorte de maquette d'Internet en utilisant des outils d'infrastructure as code et de gestion de déploiement. Donc en gros, du Terraform, de l'Ansible, du Cloud Init. Tous les codes sources que je produis à ce moment-là sont disponibles sur mes dépôts GitHub. Donc github.com/ahpnils et vous avez tous mes codes qui sont sous licence libre. Donc ça, ce sera le petit truc exceptionnel. Et sinon, les dimanches, et ben ces derniers temps, je faisais un peu de CTF pour me changer les idées d'autres choses. Tout à fait GnuPG, ça veut dire qu'il y a un peu de BGP. Et mon pseudo THM, et ben c'est ahpnils aussi et c'est en minuscule. Voilà. Hop là. Si jamais donc vous voulez voir d'autres vidéos entre-temps, bah, il y a toujours comment dire, les replays. Et puis sinon, sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi les anciens, très anciens replays. Puisque donc Twitch ne les garde pas ad vitam aeternam, je les dépose sur YouTube. Voili voilou, eh bien c'est tout pour ce soir. Je sais pas si vous avez quelqu'un à raider. Merci beaucoup pour le follow Odor on TV. Merci à toi, c'est très gentil. Et oui, comme le disait Dino, effectivement Yorzian c'est Yves Rougy. Est-ce que vous avez quelqu'un à raider par hasard? Parce que là, moi dans les gens que j'ai en dans mes follow, il n'y a pas grand monde. Mais je t'en prie, merci à toi, GnuPG. C'est effectivement fun, les CTF. Mais par contre, c'est assez chronophage. pourquoi pas pendant ce lag? Quelqu'un qui fait de la tech, de la cybersécu, pourquoi pas? Parce que là, honnêtement, j'ai personne dans la thématique sur mes. Bonne soirée à toi, Rivaltex. J'ai quelqu'un. Enfin.
J'ai des, j'ai genre le, je suis la page Twitch de, ouais, sauf qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeu Pokémon qui est sorti. Bon. A priori, si vous avez personne dans vos follow qui est en train de streamer, on va peut-être s'arrêter là du coup. Ah bah écoute, on peut tenter. Hop. On peut tenter. Qui est ce? Ah bah oui, carrément. Carrément. Voyons voir ça. Est-ce qu'il stream? Ah, c'est en US par contre. C'est en US. Oui, c'est vrai que je vois sur Twitter, Alazard, pardon, Alazred, mais, oh bah écoute, on va y aller quand même. Remarque, ils sont 108, oh, on est 34, allez, allons-y, on mettra les sous-titres, d'accord. Et bah écoutez, je vais lancer le raid, je vais mettre la page de fin de stream, et puis bah on va aller voir ce qui se passe chez Olazared. Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.